Yo tout le monde, c'est Reapers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Forest 2. Donc c'est un jeu d'horreur, donc je vais bien flipper ma race tout en vous présentant un peu ce jeu. Donc c'est un peu similaire à Slender, donc je pense qu'il vous plaira parce que Slender ça a vraiment fait un vrai carnage comme jeu. Donc on va tout de suite lancer la partie play chapter 1. Alors déjà ok, le petit bruit ça fait bien flipper. Hey, hey, le bruit des oiseaux, j'ai l'impression ils sont juste derrière mon cou, ça me fait un truc bizarre. Ok, donc comme je vous ai dit, c'est un peu similaire à Slender, donc on devra ramasser des pages ou des clés, je sais plus qu'est-ce que c'est. Donc le jeu, il est pas dégueulasse. Pour un petit jeu indépendant comme ça, il est pas dégueulasse. Donc sur ce jeu, on peut courir. On peut éteindre la torche, voilà. Et on peut juste faire ça, voilà. On a trois touches dans le jeu. Ok, un petit grillage. Donc j'imagine qu'il faudra une petite clé. Donc on va aller la chercher tout de suite. Et je vous... Hey, hey, c'est quoi ça? Vous l'avez vu, vous l'avez vu. On aurait dit l'exorciste. Cours, cours, cours. Mais comment ça se fait? Elle est déjà là, j'ai rien ramassé. C'est quoi ce business? Oh, il y a des pages. Stop. Wrong turn. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas anglais, moi. Run away. À mon avis, cours. Cours, je sais pas quoi, cours vite. Ah ouais, je sais pas ce que ça veut dire, run away. Je sais pas... Ah ouais. C'est quoi ça? Ok. Pardon, je savais que c'était tambour de bois. Excuse-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? On va courir, on court, on court, on court. RIP. Je sais pas si je suis mort. Non. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être j'ai une vie, peut-être, je sais pas. À la mode Mario Kart. Pourquoi Mario Kart? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, normalement j'aurais dû être mort. On dirait que j'ai ressuscité ou peut-être je suis en fantôme, je sais pas. Ça on dirait une luciole, je sais pas. Bizarre. Ok, j'entends les bruits là. Cette connasse. Eh non, arrête, arrête. S'il te plaît. Soul release. Soul. C'est pas une âme. Je sais pas ce que ça veut dire. Putain, sur ma vie, je vais prendre des cours d'anglais parce que là, c'est chaud, soul. J'en suis sûr, c'est âme, un truc comme ça. Putain, c'est la merde, les gens, c'est la merde. Mais je sais pas pourquoi on a la vision en noir et blanc. J'en suis sûr, on est mort, un truc comme ça. Bon, oui, on est mort, oui, je sais, elle m'a buté, etc. Mais à mon avis, on est ressuscité, genre on est en âme, etc. On doit retrouver. Eh non, c'est bon, lâche-moi. C'est bon, tu m'as pas vu. Vas-y, position faite là. Je voulais faire le mec. Je voulais faire le mec, genre qu'il avait. Qui faisait genre oui, je l'ai pas vu, position fétale contre le mur. Pour qu'elle passe et tout. Mais non, game over. Game over. Et franchement, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va recommencer. Parce que nous, on se laisse pas faire comme ça. Nous, on n'est pas des petites tarlouses, etc. Nous, vous allez voir, on va la mater, la petite sorcière. Je sais pas ce que c'est, la petite fille avec sa petite robe, là, bien dégueulasse. Vous savez quoi? J'ai mis le chapter 2. Moi, on reprend pas le même truc. Vous allez voir, on va bien la mater. Ok, un petit pont, j'aime pas. Ouais, il y a même les bruits des mouches et tout. C'est quoi ce business? On peut pas sauter. Ah, ça va, je passe par là. Je me casse pas de jambes, c'est bon, tranquille. Est-ce pas là que je suis dead là? Là, il y avait une cabane en bois. Ok, il y a rien. Mais peut-être ça a sauvegardé ou je sais pas, ou peut-être ça reprend où on s'est arrêté. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? On va la défendre. On va niquer des mères. Vous savez quoi? Elle va arriver, je vais lui mettre un coup de bois. Ok, une porte. Pourquoi elle est fermée? Il faut une clé.
Et moi, je suis pas le meilleur pour trouver des clés, moi. Moi, je suis vraiment... C'est quoi ça, là-haut? Vraiment nul pour trouver des clés. Okay, on va monter la montagne. Allez, allez. Par contre, c'est vraiment sombre. Si j'enlève la lampe, mais rien que... Je vois rien du tout. Regardez. On voit rien. On voit juste le relief des arbres. C'est hallucinant. Comment c'est sombre. Ok, la clé. Parfait. Ok. Et je crois que... Je sais pas. Je crois qu'il y a un genre de problème comme ça en gros de chat. Ok, ok. Il y a des bruits bizarres. Elle est tout proche. Genre en gros, si on court, eh ben elle se rapproche. Si on court souvent, etc. C'est pour ça, à mon avis, que quand j'avais tout simplement commencé, ben, elle est venue rapidement. Parce que j'ai dû courir trop, etc. À mon avis, il faut juste marcher. Et elle va te laisser tranquille. Hey, hey. Du gasoil. Diesel. Ah. Le mec il est économique et tout, rien qu'il prend pas le gasoil parce que c'est trop cher, du diesel. Je sais pas à quoi ça va me servir du diesel, je veux que je fasse cramer la meuf, c'est ça. Rien que t'inquiète pas, viens, 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 on va faire le carnaval. Hey, hey. Vous entendez là, là? Cours. Cours, 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 cours. On part à droite, on n'a pas le temps. Et je vais pas courir, rien que je l'échappe comme ça, vous inquiétez pas. On va gérer, on va tout niquer. Rien que les arbres, ils se ressemblent tous. Sur ma ville développeur, il a pris un arbre, il les a collés de partout. Il a fait copier-coller, copier-coller, copier-coller. Putain. Des jumeaux, sa mère. Ah, oh, de l'eau. Et pourquoi on se taille pas à la nage? J'en suis sur la meuf avec sa robe, elle sait pas nager là, elle va se noyer. Tu sais, une enfant obligée à se noyer. Hey hey, c'est quoi ce bruit? Vas-y, laisse-moi tranquille. Vas-y, vas-y, c'est bon, j'ai juste passé un pont, laisse-moi tranquille. J'ai rien fait, j'aurais pas dû regarder la cascade. Ah, t'étais à poil, ah désolé. C'est pas ma faute, c'est mes yeux, ils s'attirent tout seuls sur ce genre de choses. C'est quoi ça? Un bateau. On me dit pas. I need oil and spark plug. Ok, en gros c'est ici, je devrais m'enfuir. Mais il me faut de l'huile et spark out. Je sais pas ce que c'est. Hey hey, vous savez qu'on va courir. Hey hey, on regarde en l'air, on sait jamais. Elle va pas nous voir, vous inquiétez pas. Rien qu'elle a cru qu'elle avait le droit. Et je comprends pas son problème. La meuf elle est dans la forêt, nous aussi on se balade et tout, on ramasse des champignons. La meuf elle vient nous faire chier. Pourquoi tu viens me faire chier? Je t'ai rien fait, je suis en train de marcher. Laisse-moi tranquille. Vas-y, bouge de là. Et j'en suis sûr, c'est ça la technique. Tu marches pas, juste tu vas entendre des bruits qui vont te faire flipper et voilà. Vas-y, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Non, j'aime pas ça. Et voilà. C'est quoi ça? Ok, c'est un arbre. Ok, d'accord, c'est un arbre qui m'a attaqué. Voilà. Donc voilà, on a perdu encore une fois. Putain. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'est un petit test sur Forest 2. Donc j'ai pas si flippé que ça, hein. Je suis quand même un bonhomme parce que hein, je connais des gens, ils ont bien flippé sur ce genre de jeu. Mais moi, franchement, elle m'a pas super fait peur, l'exorciste. Ou je sais pas ce que c'était. C'était une fille avec une robe. Bref, je vous dis ciao et à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.